Yo la team CGK Foot, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau match. Donc aujourd'hui c'est contre Tchitchim. Et je crois qu'à l'aller on avait gagné de 13-10 je crois, ou 13-9, ouais, enfin, un petit score comme ça, c'était assez serré quand c'était même. C'était vraiment serré, ouais. Autre chose, rien à voir, si vous avez des places pour Aurel San, pour un Grenoble s'il vous plaît, j'en cherche, donc s'il vous plaît, si vous ne rendez pas cher, et je vous fais de la pub. Aussi on voulait vous remercier pour les 500 abonnés, ça fait super plaisir. Donc on avance tranquillement. Bon, on se retrouve aux commentaires pour tous les buts, toutes les meilleures actions. Et puis voilà. C'est parti, allez go. Et c'est parti. Donc match retour contre Tchitchim. Engagement pour nous, donc on leur donne le ballon. Voilà, c'est le rituel du début. On n'oublie pas, hein, les règles ne changent pas. Mmh. Donc là le match qui va commencer positivement pour nous. Le défenseur qui est bien son gagnant qui était pas dans sa cage. 30 secondes de jeu, un but assez gag. Voilà. Tant mieux pour nous, hein. Mais attention, juste après réaction de Tchitchim, l'attaquant qui se fait plaisir avec ce petit geste là, avec un beau débordement de son coéquipier. Juste après la frappe, doucement là tu t'es un peu coupé là. Je sais pas, je me rappelle même plus, je sais même pas ce que j'ai fait. Je crois même pas que j'étais masqué en fait. J'ai fait une petite bourde. Voilà, et là par contre là tu te rattrapes bien là. Le défenseur il s'est bien amusé. Et Charles qui défend bien. Ouais, on avait du mal en ce début de période derrière. Ouais, et là on voit, je lance Charles en profondeur qui tire contre le mur, ça revient sur Henri, le défenseur impeccable. Là Sam revient de son retrait, plat du pied, et ça rentre. Donc 3 minutes 15 de jeu. Déjà 2-2, beaucoup de buts. Et là on voit le attaquant de Tchitchim qui s'amuse. La frappe derrière de son coéquipier, ça passe au-dessus. Ouais, ça commence déjà à m'allumer. Voilà. Là, encore une frappe, là tu restes vigilant. Elle était pas très puissante, mais il faut quand même rester vigilant sur le frappe. Ouais, gardien, tu peux en être témoin. Il y a toujours des petits comptes de défenseurs, hein. On s'en est pris pas mal des buts comme ça. Ouais, hein. C'est clair. Encore une fois, ouf, là ça te revient dessus. Vigilant, impeccable. Et là juste après, tu me lances en profondeur. Je crochette. Je cherche avec la louche, mais dans la tête c'est compliqué. Ah, joli jeu. Hein. Beau jeu. C'est compliqué de la tête au soccer. Et là on voit Henri qui s'amuse. Et qui avec son pied droit vient mettre petit filet, 3-2 pour nous. Tranquillement. 7 minutes de jeu, 3-2. C'est plutôt pas mal. Mais derrière, il y a de la réaction. On voit cette équipe de Tchitchim qui joue, quoi, qui est joueuse. Là, on le voit encore, là, tu interviens. La Charles qui décale Gaëtan, qui décale Romain, la frappe. Mais le gardien vigilant. En deux temps. Ouais, en deux temps, hein, mais qui l'a eu quand même. Là, le débordement, ton arrêt encore une fois, super. La Charles qui essaye de lancer Gaëtan, c'est perdu. L'attaquant qui fait un crochet, qui frappe, ça revient sur son partenaire. Et cette fois-ci, c'est contré par Charles, très bien défendu. Mmh. Ouais, ça frappait beaucoup. Hein. On n'a pas, vous remarquez, on n'a pas énormément d'action. Hein, non. On en a, dès qu'on en a, on marque, mais voilà, il envoie le poteau. Ça revient. Encore une fois, là c'est juste à côté, c'est le mur, là cette fois-ci, c'est pas le poteau. Encore une frappe, décidément. Vous voyez, là, ça fait 5 minutes au moins qu'on n'a pas eu d'occasion. Bah, ouais. Là, ça y est, regardez. Là, Kevin qui joue rapidement avec moi. Je décale Gaëtan. Le crochet, super. Beau jeu. Et le but. Super but de Jawet. Face à ses coéquipiers. Parce que ce sont ses coéquipiers de l'ESSO. Hein. Contre qui on joue, ouais. Ouais. La plupart, ouais. Frappe de Gaëtan, du coup, il est bien arrêté. Là, il décale son collègue. Superbe jeu. Alors là, jeu en triangle, super, rien à dire. Ça fait 4-3, c'est mérité. On n'y était pas du tout. Hein. Là, en défense. Ouais. Là on n'y était plus trop. Là la frappe et là Kevin. Heureusement que tu nous sors un bon match pour l'instant parce que je pense qu'on aurait pu prendre 3-4 buts de plus sincèrement. Ouais. Enfin voilà, t'as un petit crochet encore une fois, là ça te vient dessus, mais tu restes vigilant. Tranquille. Et là regardez, coup franc pour nous. Henri qui se rapproche doucement du ballon. Keep décale, joue rapidement. Je m'y attendais pas. Hein. Je ne m'y attendais pas. Mais le gardien qui a été très vigilant. Là on voit encore une fois Henri, le crochet. Mais le gardien impeccable. Je sais pas s'il est un peu sorti, mais bon, ouais. Ça change rien ce qu'il avait arrêté. Là, je me retrouve seul face au gardien et bien qui, encore une fois, reste vigilant. Bon gardien, hein. Ouais, franchement. Hein. Et là, je tire contre le poteau, ça revient sur Henri, qui marque le 5-3. Et là, on voit Jawet qui gagne son duel, qui crochette. La frappe, ça passe à côté. Dommage, bien joué, Jawet. Décalage. La frappe. Là, il joue à 3 devant, on voit, il joue à 3 devant. Et nous, on n'est pas forcément à 2, à 3 non plus derrière. Donc on prend cher, j'avoue qu'on prend cher. Ouais, là franchement, on n'y est pas trop. Et là, on les voit, ils attaquent.
voyez, hein, depuis tout à l'heure, ils ont des occasions par-ci, par-là, regardez, c'est... ils enchaînent. Trois frappes d'affilée. Là, t'arrêtes la dernière, heureusement, franchement. C'est énorme quand même au soccer de se faire dominer comme ça, trois frappes d'affilée. Et là, on voit, tu me lances en profondeur, je décale Sharky, crochette le défenseur. Mais le gardien, encore une fois impeccable, on aurait pu mettre le 6-3. Ouais, dommage, il l'avait bien éliminé. Donc voilà, tu essaies de relancer dans l'axe, tu la perds. Ouais, mais derrière, tu te rattrapes. Là, il frappe à côté, tu passes pas loin. Ouais, et là, la roulette, le poteau derrière, décidément. Là, hop, oh là, c'est cadeau, on remet au ralenti. Hop là, ouais, il est joli celui-là. Il est joli. Désolé Charlie, il était dommage. Hein. Peut-être que ce sera pas le dernier. Là, on voit, il tente le coup du foulard. Ça revient sur son partenaire. Ça fait 5-4. Ah, on est resté, mais. Et là, juste après, Henri qui me décale. Ça m'engage, mais le but juste après, j'étais un peu énervé là. J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai tiré. Et ça fait but là. Par contre, pareil pour eux. Allez, tire contre le mur, ça te revient dessus. Pas de chance, pas de chance. Pas de chance. Donc là, il y a eu 3 buts coup sur coup là. Donc on en a 6-5. Ça va être la mi-temps. Peut-être une dernière action avant la mi-temps. Là, on voit la frappe du gauche. Petit filet, ça fait 6-6. On en reste là à la mi-temps. Bon, on menait, dommage sur la fin. On menait 6-4, 5-3, 4-2. Mais ils sont revenus, mais on a été dominés. Franchement, on a été dominés, moi je suis clair et net. Ils ont été 100 fois meilleurs que nous. Et là, occasion. On est trop attentif. En fait, on est trop attentif sur les deuxièmes ballons. Quand je fais une parade et je la contre, ou quand ça touche un mur, et bah, on n'est pas sur les deuxièmes ballons. Je suis d'accord avec toi. Et là, attention, troisième faute, penalty pour Tichim. Heureusement, c'est à côté. On reste à 6-6. Ouais. On reste à 6-6. On a eu chaud. On a eu chaud. Mais attention, c'est pas fini là. Tu restes encore vigilant. Là, déjà, ouais, petit crochet. Le petit pointu, ça revient sur Henri qui se loupe, Ouais, dommage, attention, c'est pas fini parce que là ça va contrer vite, regardez. Jean nous touche de balle. Hop là, avec Kevin. T'es encore là, bravo. Ouais, franchement, c'était un beau jeu de leur part. Un petit détournement comme ça, là, 1-2. Super facile, super propre. Franchement, bravo. Là, on voit la frappe. Petit filet, 7-6. Ouais. Attention, 5 minutes de jeu, 7-6. Il reste 20 minutes, mais là, on n'est pas trop rentré dedans pour l'instant. Et là, on voit Romain qui décale Charles. Charles qui tente, mais le gardien qui reste. Ouais, il est bien resté dans sa zone pour le coup. La Jawed qui va essayer de s'en sortir. Qui me décale sur le côté. Moi, j'essaie d'y aller tout seul. Là, je crochette un joueur, deux joueurs. La frappe, c'est contre le mur. Ouais. Il frappait beaucoup hein, ce joueur-là. Ouais, bah après, ils avaient de l'espace, on leur laissait, je pense, beaucoup d'espace et ouais, ils profitaient. Le 1-2 là, dommage, Charles qui n'a pas pu tirer. Ah oui, bien sûr, il tirait dès qu'il pouvait. Ouais, c'est le jeu. Ouais, et là, Henri, joli but d'Henri qui nous fait revenir à 7-7. C'est assez équilibré en ce début de deuxième mi-temps, même s'ils sont toujours aussi offensifs. Nous, on est un peu plus offensifs aussi. Bon. Là, je tire contre le mur, ça revient sur Henri, dommage, ça revient sur Gaëtan. Ça s'en tire au-dessus. Mais bon, c'est bien tenté quand même. Occasion pour Tichim. Henri qui nous sauve. Derrière, tu surgis. Là, Jawed qui décale Henri. Dommage de la tête, trois fois. Et là, regardez, ça va aller super vite. Le 1-2, tout en une touche de balle. La parade de Kevin. Et là, l'attaquant Théo qui va essayer de s'en sortir face à Gaëtan. Il y a le petit duel. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Regardez. Oulalalalala. Derrière, par contre, tu t'es fait mal. Bah ouais, là c'est la blessure. C'est la blessure. Alors, qui s'est blessé, Gaëtan ou Kevin? Bah les deux, il y en a un qui s'est blessé moralement. Voilà, on va voir. Donc, c'est Gaëtan. Il y en a un qui s'est blessé physiquement. Hop là. Et donc voilà, blessure. Il m'a tiré. Je crois que c'est son genou qui tape mon pouce. C'est ce qui fait que tu ne joueras pas le prochain match. Et là, on va juste après le 8-7. Fracture, 2 semaines d'arrêt. Aïe. Pour Gaëtan aussi apparemment. Et là juste après encore une fois. Alors là avec ta main t'as pas réussi vraiment à l'arrêter, je sais pas si c'est à cause de ta blessure, non? Je m'en quelle parade du gardien? Tu l'as vu celle-là la parade? Ouais, tu m'as t'as recoupé, tu l'as vu celle-là? Elle était belle. Il s'amuse encore. C'est Théo de l'Esso, je t'adresse un message, si tu veux venir avec nous l'année prochaine, tu viens. On dit ça parce que Gaëtan nous a dit que t'étais abonné à notre chaîne. Voilà. Alors bon, on en profite, tu vois, on fait passer des messages. Voilà. Et là, attention, je crochette. Encore une fois sur le photo, Henri une deuxième fois, Gaëtan une troisième fois. Là par contre ça voulait pas. On aurait pu revenir à 9-8. Là le 1-2, joli, jeu en triangle plutôt, pardon.
Kevin, tu restes encore une fois vigilant, impeccable. Et ils attaquent, ils crochettent un joueur. Regardez, ils sont 3 devant. 3 devant. Oh, ils arrivent, en fait, c'est dur à défendre quand. Et voilà, regardez, là on n'y est pas du tout. Quand ils ont une équipe attaque entièrement, c'est hyper difficile à défendre. Ouais, t'as gardé encore une fois impeccable. Ils ont une facilité à se trouver qui est vraiment importante, qui est vraiment intéressante, je trouve. Ah, ça se voit qu'ils jouent en club ensemble. Ah, ils jouent ensemble, regardez, là encore une fois, le jeu plus crochet. Là, on est en train de lâcher. 17 minutes de jeu, 11 à 7. Voilà. Henri qui tente, c'est dommage, c'est juste à côté. Henri, il a un peu les nerfs là. Ils nous ont mis la tête sous l'eau, franchement, en jouant aussi facilement, en jouant si bien. Ouais, dès le début de la deuxième mi-temps. On a fait une bonne première mi-temps. Ah, il y a un peu le parade. Ouais, on a fait une bonne première mi-temps, t'as raison. Là, je frappe, c'est contré. Un peu de chance quand même dans ce match. On revient à 11-8. Ah, Charles qui se met. Donc là il y a pénalty parce qu'il a eu jeu à terre, voilà. On voit pas très bien. Là Henri qui tente la même que le dernier, mais cette fois-ci le gardien vigilant. Peut-être qu'il a dû voir la vidéo. Ouais, peut-être il s'est dit, ah, je vais pas me faire avoir moi aussi. Et là on voit en retrait la frappe. Contrée. Ouais. Ah, il était contré, j'ai pas. Ouais, ouais, elle est contrée. J'étais surpris par la trajectoire. Là, tu restes vigilant. Encore une fois, là, ça, on voit bien, on voit pas très bien justement, c'est toi qui l'arrêtes. Donc aussi, on voulait vous dire, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque là où trop, on aura quelque chose à vous dire. Voilà. Donc restez bien connectés, ceux qui veulent bien sûr. Et là, on voit Romain qui suivent nos résultats. Qui veulent suivre nos résultats, bien sûr. Là, on voit Romain qui aurait pu décaler, mais qui a préféré y aller tout seul. La frappe, voilà. 13 à 8. Ah, franchement, pleine lucarne. Ah, tu peux rien faire. Ah, c'est une autre blessure, c'est comme le petit pont. C'est clair. Là on voit encore un petit pont. Décidément Théo, tu nous as un peu embêté pour pas être vulgaire. Il y a des petits qui regardent les vidéos aussi. Hein. Ouais, ouais. Et là, hop, pareil, petit pont pour toi. 14-8. Alors ça en est tous pris un. Hein. Non, pas moi. Ouais, pas toi. Pour l'instant. Voilà, hop là là, je suis devant la cage, je tire trop, là c'est la preuve qu'on n'y est plus. Là on voit récupération de Romain pour Gaëtan. Gaëtan qui me décale. Petit filet, ça fait 14-9. Et vous le voyez, 25 minutes de jeu, c'est la fin du match. Donc voilà les gars, fin du match, on a perdu 14-9. 14-9 quoi, il me semble. Et bon bah on a clairement été bidon. Donc on a perdu, mais il y a eu un petit revirement de situation parce que ils avaient 6 invités. Et ils ont le droit qu'à deux normalement, du coup il n'y avait que un qui avait payé sa licence entre guillemets, hein, on va dire la licence du soccer. Du coup le match a été retourné en notre faveur. On a le droit qu'à deux invités maximum, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est deux ou trois. Je crois que c'est deux, ouais. Et le soccer a décidé d'appliquer le règlement tout simplement, qu'ils font eux en début de saison. Donc on gagne apparemment sur tapis vert, on n'en sait pas plus là ce soir. Donc les gars, n'oubliez pas, dimanche prochain, nouvelle vidéo. Ce sera pas une vidéo soccer, hein, on alterne comme on a dit. Ouais, c'est mieux. Ouais. Et du coup, on vous affiche nos réseaux sociaux. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas... Vive le foot !